Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour notre quatrième édition de nos réunions patrimoniales en format webinar sur la pierre papier. En toute transparence, cette thématique a été choisie en lien avec la crise sanitaire puisque l'on avait de nombreuses questions sur l'immobilier tertiaire. Et puis, il s'avère que depuis quelques semaines, avec le conflit ukrainien, vous êtes nombreux à nous solliciter pour des solutions alternatives sur des investissements plus sûrs suite à la forte volatilité des marchés financiers, et l'immobilier en fait partie. Alors pour cette thématique, rien de mieux que d'être dans un lieu immobilier au cœur de la Défense. Nous sommes dans une des deux tours de cœur Défense, dans une tour de 161 mètres de hauteur et 40 étages, chacune essentiellement de bureaux. Cœur Défense, c'est juste le premier centre d'affaires européen. Et il s'avère que cet immeuble fait partie d'Amundi Immobilier. Donc, je remercie Amundi Immobilier de nous accueillir ce soir. La deuxième partie de soirée va se dérouler dans un lieu riche en histoire, un lieu sublime que sont les caves du Louvre, avec une visite guidée d'un sommelier qui nous fera déguster des vins de notre région. Sans plus attendre, je vais maintenant vous présenter nos invités. Et je vais commencer par Jean-Marc. Jean-Marc Fayet, directeur réseau chez Amundi Immobilier. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Merci Jean-Marc en tout cas de nous accueillir ici ce soir. Je vous présente François Renaud, conseiller en banque privée à la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou. Bonsoir Céline, bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Alors, François, pour débuter la soirée et avant d'attaquer notre thématique, vous pouvez commencer à nous parler de l'attachement des Français à la pierre ? Oui, bien sûr. On peut parler d'un gros attachement puisque 65% des Français sont propriétaires. C'est très clairement le placement préféré. Et même parmi les propriétaires, un quart d'entre eux sont multipropriétaires. C'est la valeur refuge par excellence. Elle n'est pas soumise aux variations boursières, ce qui n'est pas neutre dans le contexte géopolitique actuel. Et de plus, il est évident que la pierre est un incontournable dans le patrimoine des Français, puisque grâce au crédit, on peut en profiter pour accroître sa part d'immobilier. Mais comment peut-on aujourd'hui investir dans l'immobilier ? Alors c'est simple, il y a deux solutions. Soit on fait un investissement direct, ou soit on fait un investissement indirect. Dans l'investissement direct, qui concerne beaucoup de monde, dans ce cas-là, je fais l'acquisition d'un bien réel. Il y a plusieurs conséquences. Déjà, je dois mobiliser un capital important. J'achète la totalité du bien, je ne peux pas acheter un morceau ou une parcelle du bien. Ce qui fait que déjà, je dois faire une recherche du bien, je dois accomplir toutes les démarches, je passe devant le notaire. En dehors de la résidence principale, lorsque je vais sur du locatif, je dois gérer mon rendement locatif, c'est-à-dire la perception de mon loyer, je dois gérer les travaux, je dois gérer la copropriété, je dois m'acquitter des charges de propriété. Fait d'actualité, le DPE, diagnostic de performance énergétique, est en train de devenir de plus en plus contraignant, ce qui fait que dans le futur, il y aura une nécessité de réaliser des travaux dans le but d'améliorer la performance énergétique. Personne ne va y échapper. Donc c'est une provision à faire qui est nécessaire pour toujours conserver son bien immobilier en bon état, ce qui attirera de meilleurs locataires et permettra même de mieux se revendre aussi dans le futur. Dans l'investissement indirect, alors là c'est totalement différent. Autant dans l'investissement direct, je viens de dire que je dois m'impliquer totalement dans mon projet, là dans l'investissement indirect, je réalise une délégation totale. C'est là où la pierre papier répond à l'objectif de certains épargnants qui n'ont ni l'envie ni le temps de s'occuper d'un bien immobilier. Dans ce cas-là, la pierre papier, elle apporte une solution puisque c'est le placement financier qui permet de souscrire à des titres ou des parts de sociétés qui vont elles-mêmes réaliser des investissements dans l'immobilier. C'est une délégation totale. Alors, on a bien compris que l'investissement indirect avait tout son intérêt pour éviter toutes ces contraintes. Alors précisément, pouvez-vous nous en dire plus sur les avantages de la pierre papier ? Alors, les avantages de la pierre papier sont nombreux. Je vais les survoler devant vous. Jean-Marc, tu y reviendras avec brio sur ces avantages. Alors déjà, le premier avantage de la pierre papier, comme dans tout investissement locatif, c'est que ça génère des revenus et des loyers. Donc là aussi, on touche un revenu, on touche un rendement de la pierre papier.
Évidemment, avec cet investissement, je m'exonère des contraintes de gestion de l'investissement direct. Autre élément très important, tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait mobiliser un capital important dans le cas d'un investissement dans l'intégralité du bien. Or là, en pierre papier, le ticket d'entrée se fait aux alentours de 1000 euros. Donc c'est très faible pour les épargnants. Et en plus, on peut faire des abonnements réguliers pour juste produire un effort d'épargne. L'investissement en pierre papier, cela permet une vraie diversification du patrimoine, puisque la pierre papier, je vais faire l'acquisition d'actifs qui restent peu accessibles à l'épargnant privé, puisque je vais acheter de l'immobilier tertiaire, des commerces, des immeubles, des cliniques, etc. Et en plus, j'aurai une diversification des zones géographiques. Jean-Marc y reviendra tout à l'heure. Tout cela pour dire que de toute manière, aussi, la pierre papier permet une transmission de patrimoine, puisque les titres de pierre papier peuvent bénéficier du démembrement. Donc, on peut favoriser la transmission de son patrimoine. Le fait qu'il y ait une mutualisation du risque locatif permet justement d'améliorer la stabilité des revenus de la pierre papier. Voilà les avantages de la pierre papier. C'était très clair, merci François. La question que se pose naturellement nos téléspectateurs, c'est comment investir dans la pierre papier? Alors c'est simple, il y a deux solutions pour investir dans la pierre papier, l'assurance vie et le compte-titres. L'assurance vie, là encore, c'est un des placements préférés des Français. On connaît l'assurance vie dans les fonds liés au marché, mais aussi ce qui est moins connu, c'est qu'on peut y loger des titres de pierre papier. Cela permet de favoriser la transmission puisqu'on reste dans le cadre de l'assurance vie, mais il y a également un gros avantage. Puisque tout à l'heure j'ai dit que la pierre papier générait des revenus, et bien là, quand les revenus sont logés dans l'assurance vie, ils vont se capitaliser au sein de mon contrat, à la différence des revenus fonciers. C'est donc un avantage non négligeable de la pierre papier. Et enfin, Jean-Marc, je te prends à témoin, mais les rendements de la pierre papier sont attractifs vis-à-vis des fonds euros, ce qui permet de booster la rémunération globale de son contrat d'assurance vie. La seconde solution, c'est de loger ces titres de pierre papier au sein de son compte-titres. Ouais. Donc dans ce cas, si j'ai des titres pierre papier au sein de mon compte-titres, eh bien les revenus, les loyers que je vais toucher trimestriellement ou annuellement vont directement être versés sur mon compte courant. Du coup, je vais avoir la fiscalité des revenus fonciers qui vont apparaître, c'est-à-dire tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Mais voilà, ce sont donc les deux solutions pour investir en pierre papier. Alors François, dans l'immobilier direct, on peut utiliser le crédit pour financer justement l'acquisition de son bien, de son achat. Qu'en est-il pour la pierre papier justement? Alors, on peut aussi procéder à un financement pour acquérir des titres de pierre papier pour bénéficier de l'effet de levier du crédit, D'accord. mais à la condition que les titres soient logés au sein du compte-titres. Et étant un peu porte-parole ce soir des conseillers bancaires, j'en profite pour signaler à tous nos téléspectateurs qu'il existe des offres spécifiques pour le financement de la pierre papier. Et donc, je ne peux qu'encourager nos téléspectateurs à interroger, à aller voir leurs conseillers pour leur demander les modalités de souscription de ce type d'emprunt. Bien, merci François pour tous ces éléments. Pour illustrer justement cette pierre papier, on va passer une courte vidéo sur justement l'exemple d'investissement qu'a fait Amundi Immobilier au sein de ses fonds.
Alors Jean-Marc, avant de développer l'investissement dans la pierre-papier justement, peux-tu nous faire un état des lieux du marché, notamment les impacts de la crise sanitaire sur l'immobilier tertiaire? Tout à fait. Immobilier tertiaire ou immobilier d'entreprise, donc tout ce qui n'est pas résidentiel. Quelques chiffres macro pour poser le décor. Vous n'êtes peut-être pas au fait du milieu qui nous anime. En Europe, on estime qu'il y a environ 3 000 milliards d'immobilier sous gestion, d'immobilier d'entreprise, donc des bureaux, des commerces, de la logistique, des hôtels, que sais-je encore, des cliniques, etc. 3 000 milliards. Et voyez, l'année dernière, l'investissement, les sommes que les investisseurs, et essentiellement des institutionnels, ont mis sur ce marché de l'immobilier d'entreprise, on est à entre 260 et 270 milliards d'euros échangés. On revient à des niveaux d'investissement qui sont ceux d'avant la crise Covid-19 qu'on a connue. Sous les yeux, sous vos yeux, vous verrez, hein, le Royaume-Uni est redevenu le premier marché européen en termes d'investissement, avec à peu près 67 milliards d'euros d'investissement. Ça a longtemps été le cas. Le Brexit a un peu pénalisé nos amis anglais et du coup l'Allemagne est passée devant pendant quelques années. Mais en 2021, c'est à nouveau le Royaume-Uni qui passe en tête pour une raison très simple, hein. C'est la porte d'entrée pour tous les investisseurs mondiaux sur le marché européen. Ils commencent d'abord par l'Angleterre avant d'aller sur le continent. Et après l'Angleterre, ils vont aller en Allemagne, parce qu'il y a une profondeur de marché conséquente et une économie robuste, et en France, qui sont les trois grands marchés. Là, vous voyez la France avec 27 milliards. Après, d'autres pays sont aussi intéressants, hein. Les Pays-Bas, 13 milliards, ont attiré beaucoup de monde. 10 milliards pour l'Espagne et 9 milliards pour l'Italie, 2 milliards pour le Portugal, 3 milliards pour l'Autriche. On peut aller un peu partout en Europe. J'allais dire que la France se situe bien parce qu'on a un système d'investissement qui rassure beaucoup les investisseurs. Remercions les notaires au passage, ça rassure énormément les investisseurs internationaux. Un petit mot sur le transparent, des taux de rendement qui sont souvent sous 4% pour les meilleurs actifs. À cette heure tardive, j'espère que les enfants sont un peu éloignés de l'écran. Alors on ne va pas se mentir. Et on va tous se regarder dans le blanc des yeux, le Père Noël n'existe pas, c'est les parents qui font les cadeaux. Et donc, les meilleurs immeubles, très bien placés en Europe, rapportent au maximum 4%. Et encore ces 4%, je les trouve aujourd'hui à Dublin, dans le Prime, les très bons immeubles, très bien placés, et un peu à Varsovie. Partout ailleurs en Europe, dans les immeubles récents, très bien placés, avec de bons locataires, je suis bien en dessous de 4%. Et donc, forcément, si certains véhicules rapportent plus de 4%, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ça veut juste dire qu'ils vont aller investir dans des endroits un peu moins bien placés que ce que l'on peut trouver à Cœur Défense, par exemple. Et ayez-le en tête. Et du coup, quid de la crise sanitaire, de l'impact sur le bureau? Parce qu'il fallait occuper les Français quand ils étaient confinés chez eux. La presse s'est emparée d'une angoisse existentielle, mais puisqu'on peut tous travailler de chez nous, finalement, nous n'irons plus au bureau. Alors, Céline, je rigole un peu parce que c'est très franco-franchouillard comme remarque. Ça fait depuis 2011 qu'on investit partout en Europe. Le télétravail a été découvert en France à l'occasion de la crise de Covid. C'était des choses bien en place au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, je cite ces deux pays qui étaient parmi les plus avancés, bien avant. Et donc, ça fait longtemps qu'on a appris à travailler les bureaux différemment en fonction de l'état d'esprit du mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'en France, on était très en retard, on est toujours très en retard en termes de télétravail. Complètement. Les études qui se font sur le marché donnent à peu près une envie de télétravailler à 2 jours, 2,1 jours par semaine chez les Français. Je veux dire qu'au UK, on est à plus de 4, aux Pays-Bas, on est à plus de 4. 4 jours demandés de télétravail. Et il y a pire, hein, je vous rassure, il y a pire, il y a les Italiens. Alors c'est quasiment un jour maximum de télétravail. Mais donc, le télétravail, c'est indéniable, on va y avoir droit. Un peu moins dans certains pays que dans d'autres. En France, on avait fait le calcul, hein, 2 jours de télétravail par semaine. Je vous épargne le calcul compliqué qu'on avait fait avec l'IEIF. Mais en gros, on arrivait
à une disparition de 15 à 20% des surfaces de bureaux louées. Mais quand on dit ça, on oublie qu'il y a toujours une vraie demande pour le bureau, mais qu'on juste, on ne va pas faire la même chose dans les bureaux que l'on va garder que dans les bureaux actuels. On va être beaucoup plus, tout le travail de création et d'échange se fera au bureau, le travail qui nécessite de la concentration et du calme se fera chez soi. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai 20% de bureaux qui vont disparaître partout. C'est ça la grande différence. C'est que il y a des zones où les immeubles vont beaucoup plus disparaître que d'autres et des zones qui vont continuer à garder leur attractivité parce qu'elles sont centrales et qu'elles correspondent à ce que veulent les directeurs immobiliers. On travaille beaucoup avec les directeurs immobiliers des grands groupes qui sont les grands locataires les plus solvables, ceux qui nous intéressent. On voit bien aujourd'hui qu'ils sont encore dans l'expectative. Ça va changer, mais comment faire? Comment discuter avec les partenaires sociaux? Quel type d'aménagement de bureau on veut? Par contre, au global, ce qu'ils veulent tous, c'est qu'ils savent que pour faire venir les talents et maintenir les salariés le plus souvent au bureau, il va falloir être très bien placé, le plus central possible, proche de là où les gens veulent être, pas de là où ils vivent, mais là où ils veulent travailler. Et donc, ces directeurs immobiliers sont en train de réfléchir au repositionnement des locations qu'ils vont faire dans les 3, 6, 9 ou 12 ans à venir. Et c'est là qu'on voit que les choses vont fortement évoluer. Il y a des zones où il y aura toujours des immeubles de bureaux, mais moins qu'avant. Et ces zones-là, c'est les zones peu centrales. Je prends un exemple si vous ne connaissez pas, mais la deuxième périphérie, ce qu'on appelle la deuxième périphérie parisienne, la deuxième couronne parisienne, c'est aujourd'hui quasiment 35% de l'immobilier entreprise. C'est là que se concentrent les immeubles qui vont disparaître. Oui. Et ça, on ne l'a pas découvert avec la crise sanitaire chez Amundi Immobilier. On l'avait un petit peu anticipé, puisqu'on savait depuis 2011 qu'il y avait d'autres modes de fonctionnement de travail. Et nous nous sommes sortis de ces zones-là pour nous recentrer tout notre patrimoine sur les zones les plus centrales. On a aujourd'hui moins de 2% de notre patrimoine qui est en deuxième couronne en région parisienne, à comparer aux 31% du marché. OK. Merci Jean-Marc pour ces précisions. Notamment sur la conjoncture et les évolutions sociétales. Alors, on va peut-être revenir plus précisément sur le fonctionnement de la pierre papier. Oui. François l'a évoqué de manière générale tout à l'heure. Peux-tu nous éclairer sur le sujet, enfin en tout cas nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. François a dit l'essentiel. L'investisseur achète des parts d'un véhicule immobilier. Avec cet argent, il le donne en fait à un véhicule. Et c'est le véhicule qui centralise toutes les sommes données par les investisseurs particuliers, qui va lui aller acheter sur le marché les immeubles. Donc, une fois que vous nous avez confié votre argent, on a des équipes, chez nous ça s'appelle les investisseurs, les investes, qui vont, en fonction de la politique du produit que vous avez retenu, aller chercher les meilleurs immeubles aux meilleurs endroits, partout en France et en Europe, puisque tous nos véhicules investissent en Europe maintenant depuis 10 ans. Donc, on achète les immeubles. Quand on achète un immeuble, d'ailleurs, on ne parle jamais d'argent, c'est une petite culture générale, on parle en taux, nous, on achète un pourcentage, le loyer sur le prix. C'est là que les 4%, si vous voulez, c'est le maximum qu'on puisse avoir sur un immeuble de qualité en Europe, on tourne plutôt aux alentours de 3%. Et quand on achète un immeuble, bien évidemment, on regarde son positionnement, on regarde sa qualité technique et on regarde la qualité du locataire qu'on peut avoir. Et surtout, surtout, quand on achète un immeuble, on regarde les plans de travaux que nous allons réaliser dans les 10 ans qui viennent. Parce que tu l'as dit, François, mais de l'immobilier sans travaux, ce n'est pas de l'immobilier. Donc, non seulement il faut acheter, mais il faut après entretenir et générer de la valeur. Générer de la valeur, ça peut être améliorer l'état du bâtiment, améliorer l'état des locataires. Pour améliorer l'état des locataires, avoir de meilleurs locataires, il faut faire des travaux pour les attirer. Mais le principe, c'est que nous nous chargeons, moyennant frais de gestion, je le rappelle, de toute cette recherche, de ce suivi des locataires, de suivi des travaux, et l'investisseur achète des parts du véhicule, nous laisse faire ce travail, et nous nous contentons de lui redonner la création de valeur, soit dans la hausse du prix de la part, soit à travers les dividendes qu'on lui sert trimestriellement. Alors Jean-Marc, merci pour ces éléments complémentaires, mais je crois savoir qu'il existe plusieurs véhicules d'investissement. Tout à fait Céline.
trois grandes familles de véhicules qui sont tous des véhicules immobiliers, mais qui n'ont pas tous le même profil et qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Et là encore, c'est, je vais vous présenter les véhicules, mais c'est votre banquier qui saura avec vous définir le véhicule le plus approprié à vos besoins. Peut-être le plus ancien, le plus connu, la SCPI. La SCPI, c'est vraiment un véhicule qui est investi à 99% en immobilier et accessoirement en liquidité. En gros, je cumule les loyers que me payent mes locataires et je vous les rends au bout d'un trimestre. La liquidité, elle est vraiment réduite à minima et je suis à 100% en immobilier France et Europe, quasiment. Qui dit 100% immobilier France ou Europe dit une liquidité qui est contrainte. C'est-à-dire que non seulement c'est un investissement immobilier et donc vous avez la sagesse d'avoir un peu de temps devant vous pour le réaliser. On n'achète pas pour revendre le mois d'après, on pourrait le faire, mais ce n'est pas une bonne chose. Mais surtout, il me faut du temps pour pouvoir céder les parts. Il faut que j'ai quelqu'un qui achète en face. Donc, j'ai une liquidité plus contrainte parce que je suis à 100% sur des mobiliers. À l'opposé de la chaîne, l'OPCI, l'organisme de placement collectif en investissement immobilier. Et là, l'OPCI, c'est vraiment un véhicule qui est majoritairement avec de l'immobilier, 50 à 60%, mais aussi avec des actifs financiers qui vont permettre une liquidité. Investissement immobilier, j'ai besoin de long terme. Mais là, pour le coup, avec l'OPCI, je sais que dès que je veux sortir, 15 jours après, je suis sorti. Le prix à payer, c'est qu'il faut que j'ai un peu plus de liquidité. Donc, à côté de l'immobilier, non coté, j'ai aussi des actifs financiers. Dans ces actifs financiers, j'ai des foncières cotées, qui sont des véhicules cotés immobiliers qui me permettent une plus grande liquidité. La SCPI, vous pouvez la trouver dans l'assurance vie ou en compte-titres. Et comme elle vous donne des revenus fonciers, vous pouvez, comme tu l'as dit François, faire jouer l'effet de levier et acheter à crédit, qui vous permet d'avoir plus de parts quand vous serez en retraite. L'OPCI, vous pouvez l'acheter en compte-titres et en assurance-vie, mais ça se vend essentiellement en assurance-vie. Et d'ailleurs, c'est du revenu de valeur mobilière. Mais ça fait plus de sens dans l'assurance-vie, en vraie diversification de votre patrimoine, avec une plus grande liquidité. Et au milieu, j'ai les sociétés civiles, donc la SC, qui est une sorte de fonds de fonds, dans lequel vous allez retrouver des SCPI, des fonds immobiliers, les FIA, fonds d'investissement alternatif, des fonds immobiliers institutionnels que vous ne pouvez pas acheter à titre personnel, hein, et de l'immobilier en direct, ou ce qu'on appelle des club deals, des participations dans des acquisitions de blocs d'immobilier, de blocs d'immeubles, et un peu de cash. La différence entre la SC et la SCPI, que vous, c'est que j'ai plus un fonds de fonds, encore plus diversifié, alors que la SCPI, j'ai vraiment essentiellement de l'immobilier. Trois types de véhicules, les trois dans l'assurance vie, mais un seul, la SCPI, qui permet de faire un levier avec le crédit. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution, il y a la solution qui conviendra à vos besoins et il n'y a que votre conseiller qui peut vous accompagner. Merci Jean-Marc, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Alors en tant qu'épargnant, si je veux donner du sens à mon épargne, hein, c'est très à la mode hein, depuis quelques temps, est-ce que justement Amundi Immobilier est en capacité de répondre à cette demande? Alors oui, et depuis longtemps. Depuis 2012, on avait pris conscience que c'était déjà le cas à l'époque. Hein. L'immobilier, on doit être à 44% de la consommation énergétique et à 25% d'émissions des gaz à effet de serre dans l'immobilier en général. Donc mécaniquement, on sait que c'est important et je vous le rappelle, hein, si mes locataires me payent des loyers, ils payent aussi des charges, électricité, eau, etc. Et que c'est un poste non négligeable pour eux. Donc j'ai intérêt, moi propriétaire, à faire en sorte qu'ils payent moins de charges pour attirer les meilleurs locataires qui me diront « c'est moins cher de venir chez M. Fayet qu'ailleurs ». Et donc, depuis 2012, on a participé à la création de l'OID, qui a aidé toute la profession à réfléchir sur comment on peut appréhender au mieux les immeubles pour travailler les critères, notamment environnementaux. On a commencé par l'environnemental, puis le sociétal, et on verra sur la gouvernance. L'environnemental, c'est primordial hein, chez nous. C'est primordial, c'est l'eau, l'électricité, le gaz. Et donc, maintenant, on a une grille de notation et 100% de nos immeubles qu'on a en portefeuille, ainsi que ce qu'on achète, passe à travers cette moulinette qui nous permet de scorer, de situer cet immeuble par rapport à ce qu'il y a de mieux sur le marché.
et de le noter de A à G. Mm-hmm. Les meilleurs étant A, les moins bons G chez nous. Et on a à peu près 70 critères hein, qui nous permettent de suivre toute une série de paramètres environnementaux et sociétaux. Sociétaux, c'est comment faire en sorte que l'accessibilité soit rendue la plus possible à tout le monde, même en situation de handicap. Comment faire en sorte de vérifier que les prestataires que nous utilisons, les gens qui font les travaux, les gens qui font le ménage, soient aussi au mieux de ce qu'ils peuvent faire avec leurs salariés. Donc on leur fait signer des chartes pour qu'ils s'engagent eux aussi, comme nous, à être socialement le plus responsable possible. La gouvernance, on l'a, et dans l'immobilier avec nos produits, on est assez avancé. Dans les SCPI, par exemple, vous avez des porteurs qui sont membres du conseil de surveillance et qui représentent l'ensemble des porteurs. Et on leur rend des comptes très régulièrement et ils font un rapport qu'on met au vote tous les ans. Donc, ils sont en capacité de nous sanctionner ou pas. Je vois ici un petit logo, je reviens juste un mot avant, qui est pour dire que ces points sont assez complexes. Vous avez la chance, si vous allez sur le site d'Amundi Immobilier, amundi-immobilier.com, d'avoir une explication très importante sur ce que nous faisons au niveau de l'ESG, tant en lisant notre charte ESG, que je vous engage à lire, qu'en regardant, pour ceux qui ont un peu moins de temps, sur notre mur pédagogique, où on explique ce que c'est que le label ISR immobilier et tous les labels immobiliers qu'on peut avoir. D'accord. Parce que c'est assez encadré. Enfin, objectivement, c'est un point important pour nous et c'est intéressant pour vous. N'hésitez pas à y aller. En synthèse, la difficulté dans l'immobilier, et depuis 40 ans qu'on en fait, on a appris une chose, c'est qu'il faut être humble, c'est que ce n'est pas le tout de définir des critères, mais il faut mettre en place une méthode d'analyse, ça encore c'est faisable, mais il faut obtenir des données. Et c'est là-dessus que c'est compliqué et qu'on doit tous travailler. J'ai plein de locataires, je peux améliorer l'état de mes locaux, mais il faut que je puisse mesurer. Et pour mesurer, il faut que j'ai par exemple le locataire qui me donne ses consommations électriques, ses consommations d'eau, qui me disent s'ils trient ses déchets ou pas. Et donc, je dois revoir tous mes baux et convaincre mes locataires de me laisser avoir accès à ces données pour pouvoir reporter au global sur le portefeuille. Mais il y a encore quelques années, le locataire disait « Mais monsieur Fayet, vous êtes très gentil, j'adore vos bureaux, mais c'est ma consommation d'électricité, ça me regarde moi, pas vous. » Il a raison. Mais il faut travailler ensemble. Donc, la difficulté, c'est collecter la donnée pour être en mesure de suivre dans le temps l'impact des travaux qu'on a faits pour améliorer, l'impact de tout ce qu'on signale à notre locataire. Parce que s'il n'éteint pas le soir, OK, c'est lui qui paiera, mais mon immeuble aura une consommation plus importante parce qu'il n'a pas éteint. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire avec les locataires et les utilisateurs. Et après, on doit informer, mais dès qu'on a les moyens, pour vous rendre les comptes, les investisseurs. Et l'évaluation de l'impact doit se faire, là encore, en ayant les données. Donc, nous, comme toute la place, notre souci qu'on travaille actuellement, c'est d'essayer, en automatique, pour nous déranger le moins possible nos locataires, d'avoir accès à cette data pour mesurer toute l'amélioration qu'on apporte à nos bâtiments. Là encore, je le rappelle, hein, pas de travaux, pas d'amélioration, on ne fait pas de l'immobilier. Bien sûr. Alors là, on a fait le tour hein, de la pierre papier. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir des exemples de vos dernières acquisitions, Jean-Marc. Quelques petites photos. Oui, quelques petites photos, quelques images. Où est-ce qu'on investit ? Voilà. Grand Central. On est là à Francfort. Mm-hmm. On est dans le CBD, Central Business District, le quartier central des affaires. L'endroit où il faut être à Francfort si on a un immeuble de bureau. Et cet immeuble-là, il est sur la gare centrale, avec un locataire qui parle, mais qui parle à tous les Allemands et absolument pas aux Français, Deutsche Bahn, donc pas Deutsche Bank, hein, Deutsche Bahn, la SNCF allemande. Excellent locataire, plutôt bien situé parce qu'il est sur sa gare, mais dans un quartier tellement central que même le jour où Deutsche Bahn me libère quelques mètres carrés, je n'aurai aucun problème pour les relouer. Acheter, c'est se projeter. Et se projeter, c'est se dire, demain, mon locataire libère une partie, qu'est-ce que je peux en faire ? Eudebouville, là, on est dans une classe d'actifs radicalement différente, on est dans la logistique. D'accord. Donc là, on est, pareil, sur une plateforme idéalement placée, aux dernières normes environnementales. Merci Jean-Marc. Tour d'horizon passionnant.
La deuxième partie de soirée va se dérouler dans un lieu aussi riche en histoire, un lieu sublime que sont les caves du Louvre, avec une visite guidée d'un sommelier qui nous fera déguster des vins de notre région. Soirée sur la thématique de la pierre-papier, nous avons parlé immobilier, architecture, et bien nous nous retrouvons ce soir dans les caves du Louvre, une visite qui va être accompagnée par notre œnologue ici présent qui s'appelle Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Céline, bienvenue. Donc Nicolas va nous faire découvrir ce soir ce lieu original avec une architecture incroyable et un concept original. Alors, cette histoire, Nicolas, j'ai cru comprendre qu'elle commençait déjà dès le XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Absolument, oui, on est dans un lieu qui est chargé d'histoire. Et nous, on retrace l'histoire de ces caves jusque dans les années 1640. Et c'est un lieu qui a toujours été en lien avec le vin. Selon les écrits, le propriétaire à l'époque, c'était un certain André Hainaut, un important marchand de vin parisien, dans le sens où ce monsieur fournissait la cour. C'était un des 25 marchands de vin privilégié auprès de la cour de Louis XV, et ce monsieur recevait ses vins par bateau. Et d'accord. Là, on est juste à côté de la Seine. Donc on comprend le Pont-Neuf. Oui, voilà, pas tout loin. À fait. Et c'est effectivement tout ce qui était dédié à la cour était livré sur le Pont-Neuf. D'accord. Donc les vins étaient apportés par bateau, ensuite par tonneau ici, c'était stocké, préparé ici, avant d'être redirigé au Louvre, et ça se faisait via un réseau de tunnels, dont un existe toujours partiellement. De nos caves, il y a un tunnel qui les termine et qui, selon l'histoire, allait jusqu'au Louvre. D'accord. Et permettait à ce marchand de vin et d'autres de faire leurs affaires à l'abri des regards, on va dire. Donc le tunnel débute toujours, mais il ne va plus au Louvre. Depuis 1904-1905, on a le métro à Paris. Ah, et aujourd'hui, la première ligne, la ligne de métro, qui a été creusée par le dessus et non par en dessous comme les autres. Et du coup, ça a pas mal chamboulé les sous-sols du quartier. Le tunnel s'en retrouve interrompu, donc c'est beaucoup moins intéressant. Néanmoins, c'est un lieu qui est quand même assez riche en histoire. Et nous, ça va faire bientôt 8 ans qu'on est dans ces caves. Il y a eu presque 2 ans et demi de travaux pour en faire ce que c'en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, les caves du Louvre, c'est un lieu qui est dédié au vin et qui propose des approches un petit peu originales. Et effectivement, comme tu disais, on va continuer, descendre au sous-sol et visiter ce lieu qui est assez chouette et à l'abri des regards en plein cœur de Paris. Eh bien super, merci Nicolas pour cette présentation. Oui. Et on poursuit tout de suite la visite des caves du Louvre. Alors, je vous avais parlé en introduction d'un concept original. Nicolas, quelle est cette pièce ? On est dans une galerie d'art ? Alors, effectivement, c'est un lieu dans lequel on fait beaucoup d'événementiels et le vin est un art d'une certaine façon, donc il y a beaucoup de liens. Et là, on est dans notre chai, comme on l'appelle, et c'est un petit clin d'œil à cette époque passée qu'on évoquait. Effectivement, les vins étaient ramenés en fût, donc autour de nous, il y a plein de fût. C'est un petit clin d'œil à l'histoire du lieu. Et comme tu le disais, autour de nous, il y a des œuvres d'art. C'est un lieu dans lequel on fait des expositions plus ou moins éphémères. Et on a créé un concept qui est assez original. On fait ce qu'on appelle des soirées du vin à l'œuvre. Et en fait, nous, on sélectionne des vignerons. Et eux choisissent une cuvée dans leur gamme. Nous, on sélectionne des artistes aussi. Les deux se rencontrent. Donc, ils échangent un peu leur philosophie, pour ne pas dire qu'ils boivent un verre de vin ensemble. Non. Et à partir de là, les artistes ont un mois pour créer une œuvre d'art qui est inspirée par le vin qui est dégusté. Et nous, ça nous permet de faire des soirées assez sympas dans lesquelles il y a les vignerons qui viennent présenter leur travail et les artistes aussi. Donc c'est un vernissage un petit peu sympa, orienté autour du vin, on va dire. Très original. Moi, j'ai envie de découvrir la suite. Ah bah, dans ce cas-là, faut qu'on continue. Il y a quasiment 800 mètres carrés sur les deux étages. Ah bah non, là, 800 Donc on va descendre d'un étage, on va aller au sous-sol. Eh bien, Nicolas, je te suis. Ah bah allez, on y va. Dans la salle des terroirs. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Comme tu as pu le voir dans la pièce, il y a des carottages de sol qui reflètent un petit peu la diversité des sols, des terroirs qu'on a par chez nous dans l'Hexagone. Et ce qui est finalement assez intéressant, que les gens n'ont pas forcément à l'esprit, c'est que nos vignobles sont dans les endroits où les conditions ne sont pas forcément les meilleures. On a des sols assez pauvres, des climats des fois un petit peu rudes.
Et ce qui est finalement assez drôle, c'est que, comme nous, si je peux dire, la vigne va donner le meilleur d'elle-même dans les conditions les plus difficiles lorsqu'elle est un peu stressée. Lorsqu'elle est dans des conditions difficiles, elle doit se forcer un peu plus, donner plus d'efforts, les racines descendent plus profond, des fois jusqu'à plusieurs mètres pour chercher de l'eau. Elle extrait plus de minéraux, elle produit moins, mais les fruits produits sont pour le coup beaucoup plus concentrés, plus riches et dès lors meilleurs pour en faire du vin. Et à l'inverse, tu mets la vigne dans les meilleures conditions, elle produit certes beaucoup, mais des choses plus diluées, un peu moins intéressantes, on va dire. Et par chez nous, il y a quelque chose qui est très important à la viticulture en France, c'est la notion de rendement. Les vignerons vont chercher à limiter un peu la vigueur de la plante au travers de la façon dont ils la taillent, pour la, je ne vais pas dire la faire souffrir, mais presque un petit peu, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Ouais. Très bien. Et alors, suite à cette salle des terroirs, donc là, on est donc dans la salle des arômes. Tout à fait. Là, pareil, c'est encore un autre... C'est pour parler d'un comment ça s'appelle ? D'un sens qui est primordial lors de la dégustation du vin, qui est le sens de l'odorat. Mm-hmm. Et autour de nous, il y a un petit jeu, comme tu disais, on est un peu pris par le temps. Je te ferai sentir un vrai verre de vin, ce qui sera tout aussi, voire plus concret après. Il y a un petit loto des arômes, grandeur nature, et c'est un exercice qui permet de se rendre compte que dans la vie de tous les jours, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, le sens de l'odorat, on l'utilise assez peu, parce qu'on a tendance à tout faire avec notre vue. C'est vrai que c'est bien plus facile. Admettons, je te mets une pomme sous le nez maintenant, tu vas me dire, bah, bien sûr, ça sent la pomme, mais t'as hâte de la voir, cette pomme, les choses se compliquent un petit peu. Et du coup, ce petit jeu, bah, ça permet de prendre conscience que l'odorat, c'est pas forcément un sens qu'on utilise trop dans la vie de tous les jours, mais qui est très nécessaire lors de la dégustation du vin. Alors, on va passer au laboratoire, et notamment Nicolas va nous expliquer l'atelier d'assemblage. Eh bah, ben, allons-y, on va dans le labo. Allez. Alors, nous arrivons dans cette salle qui est absolument sublime. Non pas que les autres n'étaient pas sympathiques, hein, mais elle est vraiment impressionnante. Donc là, on est dans la salle, on est dans le laboratoire. Tout à fait, dans, ça, dans notre labo, si je peux dire. Ici, c'est un lieu où on propose une approche un petit peu originale du vin. On fait des ateliers d'assemblage. D'accord. Et c'est un exercice pendant lequel les convives dégustent et analysent des vins monocépages faits à partir d'une seule variété de raisin. Et suite à leur dégustation, en fonction de leur ressenti, ils assemblent, ils combinent ces cépages pour créer leur assemblage, leur cuvée. Et suite à quoi, nous, on met en bouteille le vin ici, il est scellé, il est ciré ici. Je te montrerai après un petit peu comment ça se passe. Et si tu veux, d'une certaine façon, ils se mettent dans la peau d'un œnologue le temps des deux heures de dégustation. Mm-hmm. Et je me permets, tant que j'y suis, tout à l'heure, tu m'as présenté comme œnologue, mais moi, je ne suis pas œnologue, je suis sommelier. Oh bah. Désolé, Nicolas. Il n'y a pas de problème, c'est une confusion qui est parfois faite. Ouais. C'est vrai que l'œnologue, si tu veux, c'est un acteur de la production de vin. D'accord. C'est un gars, si je peux me permettre, qui est la moitié de l'année en bottes et en bleu de travail à la vigne, l'autre partie à la cave, qui est vraiment un acteur de la production de vin. Et le sommelier, à l'inverse, c'est plutôt quelqu'un qui va gérer tout ce qui a trait au vin, mais plutôt dans l'aspect, on va dire, commercialisation, là, café, hôtel, restaurant. Donc, c'est deux métiers qui fonctionnent ensemble, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus clair. Donc, Nicolas, le sommelier. Voilà. Après ce laboratoire, où est-ce que nous allons, Nicolas ? Et bah, du coup, on va progresser dans une petite salle derrière nous et on va parler un petit peu du fait qu'on cire les bouteilles d'ici et aussi un petit clin d'œil à l'histoire du lieu. Allez-y. D'accord, allez. Alors Nicolas, je découvre la cire Trudon que je connais d'ailleurs, par ailleurs. Quel est le lien avec le vin justement ? Alors comme je te disais, il y a un petit lien par rapport à l'histoire du lieu et nous aussi on utilise la cire pour cirer nos bouteilles suite à l'atelier d'assemblage. Mm-hmm. Et comme tu as peut-être remarqué en rentrant dans les caves, au-dessus de nos têtes, il y a un hôtel particulier dont la façade est protégée d'ailleurs. Effectivement. Et c'est un hôtel particulier qui a été, dont la construction a été ordonnée par Claude Trudon, qui était cirier auprès de la cour de Louis XV. Et la cire, comme tu peux l'imaginer à l'époque, c'était une industrie très importante. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la famille Trudon est toujours en activité, ils ont deux boutiques sur Paris. Oui, mais je connais. Et c'est la cire royale. Et du coup, on peut imaginer la connexion qu'il y avait entre la cire et les bouteilles de vin qui étaient cirées pour les gens les plus importants à l'époque. Et on a retrouvé des écrits qui décrivaient un petit commerce que ce monsieur Trudon avait au 52 rue de la Brossec où nous sommes. Et il utilisait ses caves pour stocker différentes denrées, dont du vin. Et les bouteilles étaient cirées avant d'être acheminées à la cour. Donc il y avait toute une connexion avec la cire, avec le lieu. Et comme dit, il y a toujours l'hôtel particulier avec cette façade qui est protégée au-dessus de nos têtes. Encore un beau sujet d'architecture. Alors après la cire, tu nous emmènes où, Nicolas ?
Alors après la scie, on va passer à la dégustation peut-être. Ah bon, on va attaquer les choses sérieuses. Voilà. Hein. Avant de poursuivre avec Nicolas, je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner un panier gourmand accompagné justement de bouteilles de notre région que nous allons déguster incessamment sous peu. Alors Nicolas, nous sommes ici dans une salle encore extraordinaire. Hein. Et qui est thématisée autour de la vue. Et du coup, moi ça va me permettre de dire un petit mot dans la vie de tous les jours. Ici, on parle un petit peu de l'étiquetage des vins, des étiquettes autour de nous. Il y a une jolie collection d'étiquettes. Et ça me permet aussi de parler un petit peu de la robe du vin. La couleur du vin évolue en fonction du temps, de l'âge. Mm-hmm. Et derrière nous, il y a un mur avec des bouteilles qui pourraient reprendre un petit peu des teintes de vin lorsqu'ils vieillissent. Et les vins sont un produit vivant qui sont sujets à l'oxydation. Et il y a une image très simple de l'oxydation, c'est une pomme coupée en deux sur la table. Tu reviens en fin d'après-midi, la pomme elle est brune, elle est oxydée. Mmh. Et de la même façon, les vins blancs, eux, quand jeunes, sont très limpides, éclatants. En vieillissant, ils se ternissent, ils perdent de la lumière pour arriver sur des couleurs un peu, on va dire, dorées, ambrées dans des extrêmes. Et les rouges, c'est plutôt l'inverse. Quand eux sont jeunes, on a des rouges très profond, intense, même un peu violacé, très brillant. Et en vieillissant, eux, les vins rouges s'estompent. On part sur des rouges de plus en plus pâles pour arriver sur des couleurs, on va dire, un petit peu plus brunes, voire marron. On parle des fois de vins qui tuilent ou qui briquent. Ce sont de bonnes images. Une tuile, une brique, c'est pas rouge, c'est pas orange. Et c'est plutôt terne ici. Alors, tu fais bien avec la couleur et l'âge du vin. Moi, on me dit souvent, enfin, en tout cas, j'entends souvent dire plus le vin est vieux, meilleur il est. Est-ce que c'est une... Alors, c'est le vin, vérité. Au final, c'est, je ne vais pas dire une vérité. Hein. Le vin, ce n'est pas un produit standard, il n'y a pas de science exacte. Et c'est une expérience finalement assez personnelle. Et en fait, si tu veux, en vieillissant, les vins vont se patiner, ils prennent un petit peu de... Ils s'affinent, ils perdent un petit peu la fougue, le croquant de la jeunesse. Mm-hmm. Et ça dépend de ton palais finalement. Et ça dépend aussi de ce qu'il y a dans l'assiette. Si c'est, je ne sais pas, un morceau de viande avec une sauce un peu relevée, on cherchera peut-être un vin jeune pour avoir la fougue, la force de l'affronter. C'est un petit gibier à plumes avec une cuisson lente. On ira regarder un vin un petit peu plus calme, plus sage, pour pas lui faire trop long. D'accord. Donc le moment de dégustation va aussi influer. Mais c'est vrai que dans l'idée inconsciente collective française, il y a une image que plus le vin est vieux, mieux c'est. Mm-hmm. Il est juste différent. C'est toujours bon d'attendre les bouteilles quelques années si on peut se le permettre. Mais vin jeune, ça veut en aucun cas dire que le vin n'est pas bon. Il n'y a pas de corrélation technique. D'accord. Ouais. Très bien pour cet éclairage. Alors voilà, on est dans une cave et alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est voilà, pourquoi faut-il justement stocker ces vins dans une cave et quelle est la bonne température pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Alors du coup, historiquement, les vins et tous les produits périssables étaient stockés dans les caves parce qu'on n'avait pas la technologie, les frigos qu'on connaît actuellement. Ouais. Et le vin est un produit qui, dans les meilleures conditions, est stocké à l'abri de la lumière, même si les bouteilles sont teintées de nos jours, et avec une température stable, c'est ça qui est très important. Et le chiffre idéal, c'est plus ou moins 12-13 degrés, qui est la température naturelle qu'on a sous terre. Donc d'où l'utilité de ces caves. Donc si on a une cave, c'est l'idéal. Bon, qu'on soit, on va dire, à 12 ou à 14 degrés, il n'y a pas mort d'homme. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une température qui est constante. Mm-hmm. Un vin qui évolue dans une pièce à vivre, qui est climatisé l'été, chauffé l'hiver, va vieillir de façon hasardeuse, ça ne va pas lui faire du bien. Et comme tu le sais, on n'a pas toujours forcément accès à une cave. Non, surtout comme celle-ci. Non, plein cœur de Paris, de surcroît. Et il y a quelque chose, bon, ça fait un petit peu sourire, mais il y a une pièce qui peut se prêter à faire vieillir le vin, c'est la salle d'eau, on n'y pense pas tous les jours. Salle d'eau, c'est intéressant ça. Bon, les toilettes d'une certaine façon. Et en fait, pour beaucoup d'urbains, les toilettes, c'est pas forcément chauffé, il y a de l'humidité, et ça s'y prête assez bien. Bon, ça fait un petit peu sourire, mais ça peut servir pour stocker les bouteilles. À retenir. Alors, on va passer aux choses sérieuses, Nicolas, la dégustation. Tout à fait, je vais te proposer de déguster trois vins aujourd'hui. Comme tu disais, vous allez faire gagner des paniers gourmands dans lequel il y a du foie gras. Et du coup, j'ai sélectionné deux cuvées pour, pourquoi pas, accompagner le foie gras. Donc on va faire un accord assez classique et puis quelque chose d'un petit peu original. D'accord. Voilà. Mais avant ça, on va se réveiller le palais avec un joli vin blanc du Val de Loire. Réveillons-nous le palais. Voilà. Je suis prête. Alors, moi, Nicolas, vraiment, j'ai un aveu à te faire. Je suis pas...
je suis novice hein, en la matière, si on veut appeler ça comme ça. Donc si tu as des conseils qui serviront peut-être aussi à un spectateur ce soir. Alors comme dit, hein, le vin est un produit qui est vivant, qui réagit avec l'air, il s'oxyde, et plus il s'oxyde, plus il va s'ouvrir et offrir un bouquet large. Mm-hmm. Et donc du coup, bah, l'idée ça va être de sentir son verre de vin une première fois, mm-hmm. l'aérer, déjà un petit peu le déguster, et d'y revenir à plusieurs reprises et se donner quelques minutes, voire même peut-être quelques dizaines de minutes avec mm-hmm. son verre. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il va libérer davantage d'arômes et offrir une palette un petit peu plus large. Et par exemple, si tu vas me dire, bah tiens, ce vin, pour moi, a un goût de pomme ou de poire, mm-hmm. si je vais être très strict, c'est faux, il aurait plutôt une odeur de pomme ou de poire. Notre palais, c'est un outil qui est finalement assez basique, qui nous permet de comprendre les quatre goûts, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Mm-hmm. Et tout le reste, strictement, est perçu dans la cavité nasale et sont pour le coup des odeurs. D'accord. Et tu as peut-être déjà vu des gens qui se gargarisent lorsqu'ils boivent un verre de vin. Mm-hmm. C'est pour faire ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc, c'est pas très élégant, mais ça aide. Mm-hmm. Et c'est une technique durant laquelle tu vas tenter d'aspirer de l'air à travers le vin lorsqu'il est sur le palais pour l'expirer par le nez. Et de cette façon, tu vas chasser de l'air, charger l'herbe dans ta cavité nasale pour avoir une lecture plus fine. Alors, je vais pas me tenter ce soir parce que je ne sais pas le faire. Je vais rester au basique. Et ben, alors, je te laisse goûter. Donc, je commence par sentir. Voilà, tu vas le sentir. Tu peux déjà en goûter un petit peu. Après, l'aérer, oxygéner un petit peu le vin et recommencer. Et tu vas voir que les sensations vont évoluer un petit peu. Le vin va être différent. Et là, tu vois qu'il y a un vin qui est très gourmand au nez, mais qui en même temps... C'est ce que j'allais dire, je cherchais le terme. Gourmand. Et là, non, c'est quelque chose qui est assez ouvert. Il y a un beau bouquet sur des fruits à chair blanche, des notes un petit peu florales. Et ça commence tout doucement même à peut-être mêler un petit peu. C'est quelque chose qui donne envie d'y aller, si je peux me permettre. Alors, qu'en penses-tu sur le palais? Ah, déjà, ça me dit quelque chose. Ah, bah oui, je t'écoute, dis-moi tout. Je pense qu'on est sur du Vouvray. Alors effectivement, tu m'as dit que tu étais novice, mais visiblement, il y a déjà un savoir assez impressionnant. C'est juste que dans la région, on est obligé de connaître. Alors Vouvray, c'est pas un cépage, c'est une aire de production, une aire d'appellation. Et à Vouvray, on va cultiver qu'une seule variété de raisin, qu'un seul cépage, qui est le chenin blanc. Ah, et pour le coup, à Vouvray, on fait que des vins blancs, il n'y a pas de rouge du tout. Et ce qui est chouette, c'est que ce chenin blanc est un raisin qui est très polyvalent. À Vouvray, comme tu le sais, on fait beaucoup de bulles, ils sont très connus pour leurs effervescents. Ils font aussi des vins tranquilles, comme ce qu'on est en train de déguster. Et aussi des fois des vins avec un petit peu de vendange tardive, des vins un petit peu moelleux. Et ce chenin blanc, c'est un raisin qui a tendance à mûrir un peu vite des fois, quand il a l'opportunité, quand il fait bon. Mais comme tu le sais, dans la Loire, on a un climat un petit peu plus tempéré, plus frais. Et ça limite un peu la maturité des raisins. Mm-hmm. Et ça leur permet de retenir pas mal d'acidité naturelle. Et finalement, dans le vin, tu vois qu'il y a un équilibre. Vous voyez, on a des vins assez ronds, assez tendres, mais ça reste frais, c'est vif, c'est tendu. Et à Vouvray, dans les sols, on a beaucoup des sols d'argile au calcaire. Et ça transpire un petit peu à travers ce chenin blanc. Et ça donne un côté un peu minéral, un peu pierre à fusil en fin de bouche. Tu vois, il y a une petite acidité quand tu... Tout à fait, un côté presque salivant. En général, ça chatouille un peu le bas des gencives. Mmh. Et finalement, ça en fait des vins qui sont assez sympas. C'est gourmand, mais c'est frais, c'est vif. Et ça, pour les moments d'utilisation, mais de dégustation, on peut les imaginer tout simplement à l'apéritif. On a un vin qui va rafraîchir le palais, qui fait saliver, donc l'image est là, hein, ça met en appétit. Mm-hmm. Dans les bonnes conditions, on peut passer à table. Sinon, à table, justement, on va regarder les chairs les plus fines, on va dire les produits de la mer, le poisson. Mm-hmm. Et comme tu le sais, la Loire est aussi très connue pour ses fromages de chèvre. Tout à fait. Un joli Saint-Maur de Touraine, pourquoi pas plus dans les terres, un crottin de Chavignol, mm-hmm. des choses comme ça, avec un joli vin blanc qui va venir un petit peu casser le gras, la richesse des fromages. C'est tout à fait agréable. C'est drôle parce qu'on a tendance avec le fromage à opter plutôt pour... Pour le vin rouge. Ouais. Alors c'est vrai que les plus traditionnels te diront qu'avec le vin rouge, c'est vin rouge est le plus costaud, le mieux. Mm-hmm. Mais les choses évoluent beaucoup et de plus en plus on se rend compte que les vins blancs et les vins rouges les plus légers mm-hmm. peuvent aussi être à considérer. Et ce qui est intéressant avec les vins blancs et les rouges les plus légers, c'est qu'en général on a beaucoup plus d'acidité, de fraîcheur. Et ça vient casser un peu le gras, la richesse de nos fromages. Une grande différence avec les vins rouges les plus légers et les plus puissants, c'est qu'en général, dans les plus larges, les plus puissants, on a beaucoup plus de tanins. Et les tanins, ça donne un côté un peu âpre, un peu amer, l'astringence au vin rouge. Et ça, des fois, ça a tendance à faire du tort à la délicatesse, la structure de nos fromages, mm-hmm. malgré qu'ils puissent avoir beaucoup de caractère. Alors maintenant qu'on est échauffé, que le palais est dans les bonnes conditions, je vais te proposer de déguster deux vins qui sont des accords assez intéressants avec le foie gras, comme tu le mentionnais. Hein. Le foie gras, effectivement, que l'on va retrouver dans les paniers gourmands du jeu concours.
Et du coup, bah, je vais proposer deux accords. On va faire quelque chose d'un petit peu traditionnel, je veux dire. Mm-hmm. Ensuite, on va sortir un peu des sentiers battus. Donc, on va commencer par la chose un peu originale et puis je t'emmènerai après sur quelque chose de plus conventionnel. Ok. Et c'est vrai que bien souvent, le foie gras, on l'associe avec des vins liquoreux. Et la Loire, comme tu le sais... Ah, du vin blanc en tout cas. Oui, tout à fait. Et là, tu me sers du rouge. Tout à fait, comme je dis, on va casser un peu les codes. Le foie gras, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très riche, très gras. Les vins blancs liquoreux sont riches aussi. Et du coup, au niveau de l'accord mets et vins, on va deux fois dans la même direction. Donc des fois, il se peut qu'il y ait un côté un petit peu, je ne vais pas dire étouffant, mais un petit peu riche. Et du coup, ça peut être intéressant de venir casser un petit peu le gras de ce foie. Et malgré tout, ça reste quand même très aromatique, très aromatique, le foie gras. Donc il faut un vin rouge qui est finalement assez léger, qui n'a pas forcément des tanins trop imposants pour faire pas d'ombre à la finesse et la texture de foie gras, mais qui est quand même assez aromatique pour équilibrer l'exubérance du foie gras. Et donc du coup, là on va repartir dans la Loire sur l'appellation Chinon. Et là c'est du Cabernet Franc qui est utilisé à Chinon pour les vins rouges. D'accord. Et ça fait des Cabernets un petit peu croquants, pour ce côté un peu poivron vert, un peu gourmand, avec une mâche. Une structure tannique qui n'est pas trop importante. Encore une fois, ça s'est freiné par les climats de la Loire. Mm-hmm. Et finalement, moi, je trouve que ça marche très bien. Des vins avec un petit peu de fraîcheur, de croquant, pour venir équilibrer le foie gras. Moi, je te laisse prendre un verre et on va le goûter ensemble. C'est parti. Du coup, là, on est sur un vin qui exprime vraiment l'identité des vins de Chinon. Qu'est-ce que ça t'évoque, René? Même si c'est une image, un souvenir peut-être même. Ça qui fait la beauté du vin. La confiture de ma grand-mère. La confiture de ta grand-mère. Alors effectivement, la... Fruits rouges. Oui, une confiture de fruits rouges, un fruit rouge un petit peu compoté, un peu cuit. Voilà, exactement. Assez gourmand. Mm. Et en général aussi... Encore un gourmand. Hein. Ouais. Et les vins de Chinon offrent aussi un bouquet assez épicé. Et là, on retrouve, je ne sais pas si tu as le côté un peu poivron vert, fraîchement coupé. C'est notes un petit peu poivre végétal. Et finalement, ça c'est intéressant. Il y a quand même quelque chose de très exubérant. Mm. Et ça va, comme on disait, équilibrer vraiment la gourmandise, l'exubérance du foie gras qu'on évoquait plus tôt. Mm. Bien goûtons. Eh ben, santé. Très léger en bouche. Tout à fait, c'est quelque chose qui est frais, qui est vif, qui a de l'énergie. Et ça va venir équilibrer la richesse du foie gras. Et si il y a des vignons qui font des vins beaucoup plus extraits, plus sombres, mais ça va se prêter à d'autres moments de consommation. Mmh. Et du coup, après le Chinon, on va partir sur un accord un petit peu plus classique, avec un vin blanc doux, un liquoreux. Donc on passe à l'option classique. Alors, effectivement, un accord qui est plus commun, c'est que, comme on disait, avec le foie gras, souvent c'est des vins liquoreux, et la Loire regorge de jolis liquoreux de douceur. Mmh. Donc là, on va aller sur les coteaux du Layon. Le Layon, c'est un petit cours d'eau qui finit sa course dans la Loire. Et ce qui est intéressant, c'est que le chenin blanc qui est planté sur le coteau de ce Layon, en automne, si le millésime, l'année le permet, bénéficie d'un microclimat, d'une notion de terroir assez importante. Et ce qui va se passer, c'est que pendant le matin, il y a de l'humidité, et là il y a un petit champignon qui va se développer sur les raisins, qu'on appelle D'accord. le Botrytis cinerea, on appelle ça plus couramment la pourriture noble. Mm-hmm. Et ce champignon va consommer de l'eau et des acides dans le raisin, donc ça va le concentrer déjà naturellement. Et l'après-midi, si l'année s'y prête, le vent balaye la brume, et là le soleil reprend le travail et sèche davantage les raisins. D'accord. Et donc du coup on a ce phénomène de double maturation, et tu vas voir, ça en fait des vins finalement assez sucrés, mais là c'est seulement le sucre du fruit, il y a pas de sucre ajouté, il y a des équilibres. Du fait qu'on est dans la Loire, on a de l'énergie, de la fraîcheur. Mm-hmm. Donc tu vas voir, c'est riche, c'est gourmand, c'est sucré, pour être très honnête, mais ça reste frais. Et ça, sur un foie gras, c'est très agréable aussi, mais là, on flatte un petit peu plus la douceur, la richesse de l'expérience, on va dire. Et là, tu vas voir au nez, comparé au Vouvray sec qu'on avait tout à l'heure, là, on a un fruit qui est beaucoup plus mûr, ça prend des notes un peu mielées, c'est beaucoup plus doux. Ah oui, rien à voir. C'est une atmosphère qui est très différente. Mm. Et ça aussi, c'est très exubérant, ça même offre un petit peu des notes de fruits exotiques, d'ananas rôti, des choses comme ça. Mmh. Cette note de complexité qui peut être aussi très, très agréable sur un foie gras. Mais là, on n'aura pas l'énergie, la fraîcheur d'un vin sec pour casser, mais plutôt une douceur qui va enrober le tout. Nicolas, il y a un autre truc, quand on fait tourner les vins comme ça, ça redescend là. Tout à fait, on les appelle les pleurs, les larmes, les jambes du vin. Et ces traces représentent un composant dans le vin qui est le glycérol. D'accord. Et le glycérol, chimiquement, c'est une combinaison de l'alcool. L'alcool qui est dans le vin, c'est l'éthanol. Mm-hmm. Et du sucre, si tant est que le vin est sucré. Et en fait, plus les larmes sont grasses, plus c'est épais, plus ça stagne, potentiellement, plus le vin est puissant et plus il est alcoolisé ou plus il est sucré. D'accord. C'est une première question et c'est le palais qui répond un petit peu plus loin.
Et là, effectivement, c'est pas du tout la même chose hein, que tout à l'heure. Comme tu vois, elles sont assez présentes. Ouais. Et là, comme dit Coteau du Lion, on est sur un liquoreux ici. Et là, bah, c'est le sucre hein, qui donne cette matière grasse qui va stagner sur le bord du verre. Et ça, si tu veux comparer, tu peux faire ça chez toi avec une boisson distillée, un cognac, ouais, un whisky. Tu vois que ça reste aussi, mais c'est plutôt lié à l'alcool cette fois-ci. Donc Nicolas, effectivement, abat les idées reçues, puisque là, on a goûté le chinon qui peut très bien accompagner un foie gras. Tout à fait, oui. Alors, puis on a terminé par ce coton de Lyon. Évidemment, une option plus classique à laquelle on aurait pensé dès le départ. Ouais. Donc, merci. Bah, je t'en prie, plaisir. Cette découverte. Alors, on arrive à la fin de cette visite. Hein. Le temps passe vite quand on est dans un lieu d'exception comme celui-ci. Donc, les caves du Louvre, comme vous l'aurez compris, c'est un concept original et audacieux qui, justement, vous font découvrir l'univers du vin. Et Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, à nos spectateurs ce soir qui souhaiteraient visiter ce lieu, qu'est-ce que vous proposez? Ce serait avec plaisir qu'on accueille tous les férus, les amateurs de vin, aussi bien que les novices. Et c'est un lieu qui parle à tout le monde, comme dit, c'est une approche un petit peu originale. Et nous, avant tout, on propose de l'expérience, de la découverte. Et on propose différents formats. Quotidiennement, on propose des visites guidées. Donc ça dure environ une heure. On se laisse guider dans les caves avec un sommelier. Et on fait trois escales pour déguster des vins au fur et à mesure de la visite. On propose aussi l'atelier d'assemblage qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc là, comme je disais, on se met dans la peau d'un œnologue et on crée sa propre cuvée avec laquelle on repart à l'issue de la dégustation. Et aussi, on fait depuis peu, entre guillemets, des dégustations vin et fromage. Donc là, on va déguster 10 vins et 10 fromages en accord. Et donc, ça permet de découvrir des combinaisons, des accords aussi. Ouais, tout à fait. Merci Nicolas pour ces détails qui, j'espère, donneront envie à ceux qui nous écoutent ce soir de venir justement visiter ce lieu exceptionnel. En tout cas, merci à toi. Bah, un grand merci Novice, de nous rendre visite. Écoute, j'ai appris plein de choses. Donc merci pour le partage de cette passion. Avec grand plaisir. N'oubliez pas, dans quelques minutes, nous annoncerons le regagnant du jeu concours. Et puis j'espère encore une fois que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie sur ce nouveau format webinar des réunions patrimoniales.